Comment faire pour connaître sa mission? Pour connaître ta mission, tu dois d'abord ne pas te conformer à tous les autres. Tu dois être intelligent. Donc, tu ne peux pas dire juste que je veux aller à l'école, devenir secrétaire ou encore avocat, juste comme tout le monde. Première chose pour connaître ta mission de vie, tu dois d'abord sortir du conventionnel. Sortir du conventionnel ne veut pas dire que tu deviens quelqu'un qui marche comme un fou en route. Non. Donc, tu organises ton temps. Parce que chercher sa mission de vie a besoin que tu t'intéresses au spirituel. Tu donnes du temps au spirituel. Tu donnes de l'oreille au spirituel. Quand on a un David, quand il avait 16 ans, là, il a attendu quelques années avant de devenir roi. David n'avait pas de mode d'emploi. Quand Abraham est quitté de son pays, il a commencé à marcher. Dieu a dit que pas là où je vais te montrer. Donc, tu dois d'abord avoir la foi que je vais découvrir ma mission. Deux, tu dois chercher. Donc, quand tu vas poser la question là, hein, ce soir, avant de te coucher, demande à tes ancêtres, demande à tes guides, demande à tes anges. Ça dépend de comment tu les appelles. Demande au Saint-Esprit. Montre-moi ma mission. Guide-moi. Parfois, ils vont te répondre sous forme d'un rêve. Une personne va dire, j'ai rêvé, j'étais vu que tu étais en train de faire ça. Ou encore, tu vas voir une personne qui va venir le lendemain, dans la semaine, venir te dire, bon voilà, tu sais, fais tel business, fais telle formation. Et peut-être tu vas voir une publicité à la télé, la semaine là, ça va te parler. Donc le truc, c'est que c'est quelque chose qui va répondre même pas à ton cœur. J'avais un pasteur, un jour, je suis allé dans une église comme ça en Angleterre, et là, la dame racontait comment elle avait eu la direction divine. Elle était en train de conduire sur l'autoroute, et il y avait une pancarte qui disait Birmingham. Et elle savait depuis quelques jours que Dieu lui disait qu'il fallait qu'elle parte à Birmingham. Donc elle a vu la pancarte. Et son cœur a résonné que ça c'est pour toi. Donc vous devez voir les signes. Tu peux avoir une affiche. En passant en route comme ça, tu vois une affiche. L'affiche te parle. Ça prophétise sur toi. C'est parce que vous n'avez pas appris à être votre propre prophète. On ne rejette pas les prophètes de l'extérieur. Mais vous devez, votre oreille doit être inclinée pour écouter ce que l'Esprit vous dit chaque jour. Soyez attentifs, posez des questions. Notez vos réponses, notez vos rêves, prenez du temps chaque matin, minimum 10 minutes, vous vous asseyez, vous notez vos pensées. C'est comme ça qu'on s'écoute un peu plus. Ce qui fait que quand tu vois un prophète qui te dit quelque chose, ça résonne avec ce qu'on t'avait déjà dit. Parfois, maintenant, le rêve, on te parle, tu te rêves, tu te lèves, tu oublies. Mais quand tu passes du temps seul, tu as une idée qui te revient à l'esprit, tu dis, parce que dans la nuit, on t'avait déjà dit ça. Donc, connaître sa mission, c'est une quête. Et quand une fois que tu as une idée de ça, tu dois agir. Tu dois agir, tu dois investir ton argent, tu dois investir ton temps, tu dois investir ta volonté dessus. Chercher, demander. Tu agis, tu ne te décourages pas. La persévérance, il n'y a que la persévérance qui va te permettre d'arriver au bout. Galates chapitre 6, ne vous fatiguez pas de faire du bien parce que vous allez récolter. Donc,